Hola. Je suis passé chez le monsieur qui a mon parapluie là. Ou mes parapluies, il n'est pas là. Je ne sais pas quand il travaille. Il m'a donné rendez-vous mercredi. Mais mercredi, j'étais au travail ou je ne sais pas trop quoi. Donc. Anyway, we're walking. Je vous fais un petit topo. Donc, ouais, le background, non? Je suis chez la bataille. Ah, la voiture. Ça m'écale. Ça m'écale, non? Les jours, les, oui, oui, c'est pas une voiture qui sort tous les jours, elle n'a pas le temps pour ça. Elle sort tous les jours. C'est une voiture qui sort tous les jours, mais elle a les trajets. Il y a les trajets qu'on ne prend pas. C'est une voiture. Vous voyez, c'est pas tous les jours comme moi je ris, donc même la voiture a les trajets et tout et tout et tout. Donc je suis venue là parce que il y a un moment de quelqu'un qui veut manger le porc épic. Donc j'ai demandé à la bataille si elle peut faire. Donc je suis venue faire avec elle, à mon niveau. Hein. C'est qu'elle n'aime pas préparer, non. C'est pas nouveau. Donc. C'est ça qui est ça. Donc, c'est les condiments. Hein. Mm-hmm. On va écraser ça à la machine ou bien? Oui, à la machine. La machine, pas à main. Le moulin. Le moulin. Mm-hmm. Ah, ok. Mm-hmm. Et voilà le porc épique qu'on a acheté le matin. Mm-hmm. Il y a des pièces. Il y a des pièces. Là, ça, c'est là, le citron. C'est son domaine même ici, là. Alors. Le singe, le oui, pangolin. Le crocodile, le varan, les porcs épiques, tout ça là. Nashi, tout ça là, c'est elle. Alors, la maman voulait manger du plantain vapeur, mûr vapeur, avec le porc épique. Donc, c'est ce qu'on fait là, éplucher et puis laver. Vous savez ce que c'est. Tu dis que tu viens l'aider, mais c'est elle qui porte tout. Elle va te dire, comment il faut laver les mains. Comment ne puise pas l'eau, elle va puiser. Non, porte, pas avec. Moi, elle fait pas. Vous voyez, non? Vous voyez la mamite là. On va préparer. Vous voyez la canne. On peut mettre quelqu'un dedans. Préparer la nourriture. Elle dit n'y a pas l'argent, En tout cas, chacun fait comme ça. Tout est bien. Oui. Pardon. Le sang là, ah oui, c'est une chose. Lève la mamie. C'est toi qui as épluché le maïs. C'est toi qui as coupé le maïs. Par contre, on va dire ce qui est coupé. Tu vas dire que c'est quand on va qui est coupé, il y a le sable dedans. Il n'est pas dit. Vous envoyez la mamie, attendez. Elle a les légumes coupés, mais elle n'est pas dedans. Voilà. Les légumes qu'on vend coupés, là, c'est pour faire le dolé. On vend même les légumes du sang à maman. Non, c'est pour préparer comme le dolé. J'ai dit qu'on pile même le coin maintenant. Oui, mais attends, maman, j'achète le coin. Voilà. Ah. J'achète le coin. C'est seulement pour le sang que tu n'achètes pas. Je ne pile plus jamais le coin. Alors, c'est fini comme ça, là. Bon, vous connaissez ce que ça veut dire, non? On part au moulin. Vous connaissez? On part au moulin, voilà la pièce de 50. Donc si tu pars au moulin, on dit que c'est 75. Ça te regarde là-bas. On ne gère même pas quelqu'un. Qui va nous le charbon? Alors, si vous connaissez bien ce genre de moulin, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est le traditionnel. Bon, celui-ci, il est même électrique. Il y en a d'autres, je crois que c'est manuel et tout. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ce genre de moulin. Ça fait très longtemps que je les utilise. D'ailleurs, moi, j'aime pas écraser ma bouffe. J'aime pas écraser les légumes ou les condiments de ma bouffe en pâte. Je préfère toujours les hacher ou carrément les taper à la pierre et tout. Donc, c'est ce que ma mère a voulu faire. Ben, c'est ce qu'elle a fait. Et je pense aussi que comme les trucs n'étaient pas congelés, c'est pour ça qu'elle ne les a pas fait à la pierre à écraser. Donc, that's it, hein. Bienvenue au Cameroun, dans les coins comme Perao, vous devez connaître déjà le moulin ici. Donc, comme un peu l'eau pour rincer et tout, machin. Mais en fonction de ce que vous voulez cuisiner, vous donnez les instructions et la dame ajuste en fait la machine à ce que vous voulez. Donc, maintenant, il s'agissait de nettoyer la peau du pangolin, du porc épique, parce que paraît-il, quand la met à fumer et tout, il y a des parties qui sont, je sais pas, hein, mais apparemment il y a des parties qui sont amères. Donc on la gratte avec une éponge métallique. Déjà on a trempé le pangolin. On a trempé le porc épique dans de l'eau chaude, je pense, hein, avec du citron pour nettoyer. Maintenant après, on frotte au fur et à mesure avec ce chiffon métallique histoire que ces parties amères là disparaissent. Bon, moi, c'est pas comme ça que je fais bouillir mon plantain. J'aime pas quand mon plantain touche et trempé dans de l'eau. Donc, moi, quand je fais bouillir mon plantain, je mets un truc en bas et je pose le plantain au-dessus. Voilà,
Voilà donc ce que je voulais éviter quand je parlais tout à l'heure de mettre quelque chose dans le fond de la marmite. J'aime pas avoir à nettoyer le plantain après et tout, machin. Donc, mais bon, quand vous le nettoyez et tout, ça donne ça. Elle voulait manger le porc épic avec du plantain, ben, that's that. Bon, faut goûter le sel. Moi, j'aime pas goûter la nourriture quand je prépare. Vous allez vous demander, mais comment tu fais pour savoir alors que, regarde mon frère, c'est qu'il sort à la fin, ça sort. J'ai horreur. Je sais pas, c'est pour ça que je ne mange pas ce que je cuisine très souvent. J'attends même 2-3 jours avant de manger. J'aime pas. Déjà là, comme. Ah, tu me dis stop, hein. Laisse-moi comme ça, peut-être même pas goût. Et quand ça va se comme ça, tu ne peux pas. Elle ne vient jamais dû la chair là, de toutes les façons. Elle ne vient jamais pour toi, pour toi. Oui, elle ne vient jamais molle. Donc, la viande étant très dure, on ne peut pas la goûter, mais on a piqué le couteau et tout machin, tout va bien. Ça va faire environ quoi, une heure. Hein. Moi, quand c'est comme ça, quand c'est que ne goûte pas, vu que ne goûte pas, je laisse même tourner pendant une heure trente. Comme ça, je sais que mon frère, si au bout de une heure trente, tu n'es pas cuit. Sauf le tendon que peut-être laisser même tourner toute la nuit. Donc, mais là, bon, je vais éteindre le feu et puis basta. Perso, je n'aurais pas écrasé les condiments au point où ça devient une pâte, une sauce et tout. J'aurais fait ça haché. But that's just me. Anyway, thank you.